Je m'appelle Nelly Rulquin, je suis propriétaire des installations équestres depuis 1994. Donc nous faisons de la pension de chevaux, mais aussi de la valorisation et du travail. Mais on a également des propriétaires qui viennent et qui prennent des leçons. On les fait travailler avec leurs chevaux et nous, on fait évoluer leurs chevaux. On s'occupe également de l'entretien, évidemment, donc tout ce qui est nourriture du cheval, on paille les boxes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie hébergement. Et on a les cavaliers qui, eux, elles s'occupent, puisque c'est des filles, qui s'occupent de dresser les chevaux. Donc on fait de plus en plus attention au bien-être du cheval. Donc ce qui est primordial, c'est de le mettre dans le confort au niveau de l'entraînement, puisque c'est ce qu'il fait tous les jours. Le confort passe déjà par le sol dans lequel il s'entraîne. Donc vous voyez ici, c'est un sol très particulier. Le trackster est très facile d'utilisation, puisque lorsque vous avez un parc d'obstacles qui est monté, vous pouvez idéalement, sans démonter aucun obstacle, lisser et tourner autour des obstacles sans avoir rien d'autre à faire et le travail est parfaitement réalisé. Bonjour, je m'appelle Magali Pérez, je suis cavalière chez Cheval Liberté Sport pour Nelly Rulquin. Ça nous permet d'aller facilement voir dans des prairies un peu plus loin, voir si les chevaux vont bien, si les clôtures sont en état. On n'a pas besoin de prendre une voiture ou un tracteur, voilà, on a tout de suite le matériel qui est à disposition, qui est souvent dans la benne, toujours en place, donc c'est facile d'utilisation, autant pour les filles que pour les garçons. C'est un véhicule extrêmement silencieux, donc aucune nuisance sonore, les chevaux n'ont pas peur, c'est quand même très important parce que ce sont des animaux très sensibles. On peut facilement passer dans tous les endroits exigus, soit des écuries, pour aller nourrir les chevaux ou alors pour aller préparer les affaires d'une écurie à l'autre quand on a un peu de trajet à faire, aller récupérer des obstacles d'une carrière à l'autre, des soubassements, etc. Le tracteur est utilisé avec l'attache remorque pour bouger sur le parking toutes nos remorques, c'est-à-dire nos vents. On a bien souvent une dizaine de vents sur le parking. Forcément, quand vous avez un tracteur, c'est très facile de les manipuler et de les déplacer. Le tracteur, on peut l'utiliser aussi bien à l'écurie que dans la carrière, que pour se déplacer, que pour les concours et d'autres choses. L'équitation a toujours été un sport très élégant et je pense que le tracteur est une bonne opportunité pour remplacer le tracteur qui a un petit côté rural. Et le HD10 serait plus recommandé pour tracter des vents, pour déplacer des vents, des charges assez lourdes. Le 1000 cm3, donc le HD10 serait plus à même de le faire que le HD8. C'est le véhicule indispensable.